Salut tous, c'est Lune et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on va parler un peu de ma chaîne, parce que voilà, j'avais envie de parler un peu de ma chaîne et de parler des nouveautés qu'il va y avoir sur la chaîne. Parce que c'est vrai que vous avez vu en ce moment, il y a pas mal de live RP, etc. qui viennent. D'ailleurs, si vous voulez venir au live, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui vient, du coup c'est à 20h. À 20h tous les jours je live, donc voilà, j'en parlerai tout de suite un peu plus. On va parler aussi de mon nouveau setup qui va arriver très vite, parce que je suis actuellement en train de déménager. J'ai visité un appartement hier qui était vraiment pas mal, que j'ai vraiment kiffé. Et du coup, les gars, on va aller voir ça ensemble. Et je vous montrerai ça bien évidemment sur Snapchat, etc. Même si je vous ai déjà montré pour ceux qui ont vu les poussins sur Snap. Voilà, c'était dans le nouveau appartement. Voilà. Donc je suis en train de déménager, etc. Essayer d'avoir une bonne grande pièce pour faire un bon petit setup. Voilà, sachez que je suis en train de travailler avec des marques, etc. pour voir vous faire une belle setup. Et voilà, je vous spoil pas, mais il va y avoir du très très lourd et ça va arriver. Et du coup voilà, donc c'est vrai qu'en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de live RP. Et je live donc en gros à 20h, donc pour ceux qui veulent pas louper et qui ne sont pas forcément au courant, parce que voilà, vous êtes pas forcément au courant, vous n'êtes pas reçu la notif, je ne sais quoi, ou peut-être que vous regardez d'autres lives, donc vous avez pas regardé, enfin vous avez pas reçu la notif, etc. Mais sachez que je live tous les soirs à 20h, donc sur la chaîne Unwin, donc sur cette chaîne, je live tous les soirs à 20h, donc je live sur le serveur RP de la team. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la salle qui est, je sais pas si vous avez les vues, mais en gros qui parle un peu de pédophilie, etc. Qui est sortie il y a quelques jours. Voilà, donc je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas vu la vidéo. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, je voulais vous tenir au courant, parce que c'est vrai, en fait, les lives, c'est un truc que je faisais pas souvent et que je faisais vraiment de temps en temps. Et là, franchement, je commence à prendre goût en fait à faire des lives, et c'est vraiment sympa. Parce que en gros, quand t'es en live, t'es là, tu kiffes et tu peux interagir avec les gens. Et c'est ça qui est bien. Et je pense que pour ceux qui ont, enfin, d'ailleurs le live d'hier était magnifique. Pour ceux qui ont loupé le live d'hier, c'était vraiment magnifique. Sur le serveur RP, on a fait un truc de fou. Il y avait une soirée. J'ai ramené des Rastaman. Enfin, vous savez, des un peu style Bob Marley et tout. On est parti devant le commissariat. C'était vraiment magnifique. On a rigolé. Tous les gens ont rigolé, etc. Ceux qui étaient présents dans la VR, c'était vraiment un live de fou. Et tous les jours, j'essaie d'améliorer le live, d'essayer de vous faire participer. Donc par exemple, ça a été une idée. De base, le concert, il devait avoir lieu devant l'Unicorn, pour ceux qui connaissent, devant le club de striptease en gros. Et je vous ai dit, les gars, si vous votez 1, on va devant le commissariat, on fait le concert devant le commissariat. Si vous votez 2, on reste devant l'Unicorn. Et tout le monde a voté 1, du coup on est parti dans le commissariat, c'était vraiment magnifique. Donc voilà, si vous voulez en gros, du coup, voir les lives, etc., c'est tous les soirs à 20h sur ma chaîne. Les week-ends, peut-être ça changera, les heures changeront, etc., ça dépend, parce que voilà, les week-ends. J'aime bien un peu sortir le soir, etc. Mais voilà, sachez que ce sera en semaine déjà de lundi à vendredi. C'est tous les soirs à 20h. Et il y aura aussi le week-end. Peut-être un peu plus tôt. Parce que les gens dorment forcément, vu que voilà, c'est le week-end, etc. Les gens aiment bien sortir, etc. Le week-end sera peut-être un peu plus tôt. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Peut-être qu'il y en aura un jour sur deux. Voilà. En tout cas, 20h. De toute façon, je mets tout le temps un post Twitter et un post sur YouTube pour prévenir du live. Mais sachez que c'est à 20h. Et j'aime bien, en tout cas je sais que vous kiffez bien les RP, parce que c'est vrai que le RP, on va dire, le faire en vidéo, c'est pas la même chose que le faire en live. Là en live, c'est vraiment la surprise, et enfin voilà, alors que le montage, quand tu fais le montage, etc., vous vous attendez, forcément il y a du retard, etc., parce que forcément la vidéo, on l'a peut-être fait un jour avant, 2 jours après, enfin un jour après, vous voyez ce que je veux dire. Du coup là, c'est vraiment du direct et vous pouvez interagir avec nous, vous pouvez me donner des idées. Donc par exemple, je me suis fait choper par la police, vous avez donné des idées, voilà, dis ça au commissaire, dis ça aussi, dis ça au commandant, etc. Et c'est kiffant, vous êtes nombreux à regarder les lives et à soutenir également les lives. Et ça me fait extrêmement plaisir que de voir tous ces gens participer à mes lives, me donner des idées, interagir. Et franchement, on a un bon ratio, j'ai regardé les stats des lives. Et avec la salle, on a regardé. Et franchement, il y a vraiment un bon ratio. On a remarqué avec la salle que vous participez bien aux commentaires, vous participez au live,
Il y a de l'interaction avec moi, on interagit bien, j'essaie de faire interagir de temps en temps. Après, voilà, forcément, des fois, quand je suis en prison ou quand je suis dans des phases un peu où voilà, j'aime me faire arrêter parce que j'ai fait telle ou telle chose, on a retrouvé un gun, etc. C'est ça qui est bien, c'est qu'on vous êtes dans mon truc en fait, c'est ça que je kiffe en fait, et c'est un truc que je faisais pas, et je commence à prendre goût à ça. En ce moment, je live avec la 4G, mais sachez que l'appartement dans lequel bah, je vous parlerai de ça après, je vais avoir la fibre. Fibre optique, c'est magnifique. Et là, je pourrais vraiment faire des bêtes de trucs, des bons lives, etc. Voilà, là, en ce moment, je live avec la 4G et tout, donc c'est un peu. Enfin, ça marche bien, mais là, avec la 4G, ça va être ouf, parce que je vais pouvoir vous proposer de la 1080p 60 fps, alors que là, je peux vous proposer que de la 720p. Donc, du coup, ce sera pas la même qualité. Là, vous aurez vraiment de la bonne qualité en 60 fps, etc. Donc du coup voilà, sachez qu'à 20h, voilà je répète encore une fois, 20h, ne loupez pas tous les soirs sur ma chaîne, donc sur cette chaîne, il y a des lives. D'ailleurs, merci à GameX13 qui est passé sur le live, voilà, il passe de temps en temps, voilà, dédicace à toi. Et voilà, donc ouais, comme avec la salle, comme je vous ai dit, on a parlé un peu de tout ça, etc. Voilà, et il m'a dit que franchement, que c'était cool que je fasse des lives RP, et il aimait bien. Que je fasse des live RP, il trouve bah, l'idée bien en fait de pouvoir interagir avec les gens en live, etc. Et il trouve ça bien et voilà, il me dit de continuer, que les gens interagissent bien, etc. etc. Et puis c'est grâce à vous en gros, parce que vous interagissez bien. Et ce qui est bien aussi, en gros, c'est que par exemple, il va y avoir une action. Voilà, je vous spoil par exemple un live qu'il y a eu. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu dans les précédents live, pardon. En gros, j'ai kidnappé quelqu'un et il y a la police qui est arrivée en hélico et ils ont entendu les coups de feu, etc. Et du coup, ils sont venus au lieu et moi j'avais des armes sur moi. Et quand je suis descendu, enfin, quand je voulais repartir, m'échapper du lieu, j'ai croisé la police sur mon chemin, ils m'ont arrêté, etc. J'ai dû jeter mon gun, etc. Et du coup, ce qui était bien, c'est que là, vous interagissez avec moi, vous dites ouais, fais gaffe, dis ça, dis ci, dis ça. Et c'est ça qui est bien, que je kiffe. Et j'y prends coup, comme j'ai dit, je le répète, je me répète, mais c'est vraiment kiffant. En tout cas, voilà. Merci à tous ceux qui soutiennent à travers des likes ou à travers différentes choses, voilà, parce que je sais qu'il y en a qui font des dons, etc. Alors, sachez que je ne demande pas de dons. Si vous avez envie de faire des dons, voilà, bah, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça aidera à payer le serveur, ça aidera à faire des meilleurs lives, etc. De faire d'autres projets, parce que voilà, je parlerai après d'autres trucs, etc. Et du coup, voilà, on en arrive au moment où, comme je vous ai dit, du coup, les lives, ça sera tous les jours parce que maintenant je vais avoir la fibre optique, je suis en train de déménager. Forcément, je pense qu'il va y avoir des jours où il n'y aura pas de live, ou peut-être pas de vidéo parce que, comme je vous ai dit, je suis en train de déménager. Mais j'aurai la fibre et ça, c'est bien. Parce qu'en fait, quand j'ai déménagé, j'ai dit, il me faut absolument la fibre. Si j'ai pas la fibre, ça a rien de déménager. Parce que là, je suis en ADSL, du coup, et je me suis dit. Si j'ai pas la. Enfin, j'ai la 4G aussi, mais elle bug un peu, voilà, il y a des interférences, etc. Du coup, ça bug. Donc, ouais, je me suis dit, si je vais déménager, il me faut la fibre. Et du coup, ce qui est bien maintenant, c'est qu'on va pouvoir proposer la 1080p. Et du coup, mon setup va changer. Et oui, parce que là, je suis en train de faire un bon setup. Voilà, il y a une marque, bah, vous connaissez, je pense, Alienware. Je vous spoil pas, mais qui m'a offert des produits, etc. etc. pour pouvoir bah, vous faire un meilleur setup, etc. Et je pense que vous allez kiffer mon futur setup. Je suis en train de voir avec un artisan, un pote à moi qui est artisan, pour qu'il fasse un bête de truc. Voilà, je vais voir pour la déco. Je suis en train de voir encore si je fais de la peinture, si je fais de la toile, si je fais ci, si je fais ça. Il va y avoir plus de lumière, pas mal de choses, etc. Et ça va être vraiment kiffant pour les vidéos. Je vais essayer de me faire aussi un petit décor pour les vidéos IRL quand j'aurai des invités. Pour des vidéos du style, je sais pas, quiz, etc. Parce que c'est des trucs qui vont arriver en 2019. Ça va changer, il y a des projets, comme je dis, qui arrivent. Et ça me fait extrêmement plaisir, voilà, du coup, comme je dis, quand vous soutenez, etc. Dans les lives, etc. Je sais qu'il y en a qui me font plaisir, etc. Et du coup, comme je vous ai dit, bah, ça aide à avoir un meilleur setup, etc. etc. à payer le serveur, comme je vous ai dit. Et plein d'autres choses. Parce que c'est vrai que ça a un coût et vous voyez forcément pas. Et ça me fait plaisir. En tout cas, voilà, merci à tous ceux qui soutiennent. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, comme je vous ai dit, ça va être beau. Il va y avoir un nouveau setup. Je vais pas m'attarder non plus 30 ans. Voilà. Vous avez vu un peu l'essentiel. L'essentiel, c'est que tous les soirs à 20h, il y a des lives. Je suis en train de déménager, comme je vous ai dit.
Et voilà. Et je sais aussi que vous kiffez. Il y a un truc que je voulais vous parler aussi. C'est par rapport à Fortnite aussi. Je sais pas si vous avez remarqué en ce moment sur la chaîne de la salle Fortnite, on fait beaucoup de Fortnite. Et les gens aiment bien. Et ça me fait extrêmement plaisir aussi. Parce que c'est vrai, avant, on jouait pas forcément trop à Fortnite. Parce qu'on se disait, voilà, c'est toujours la même chose. On est là, voilà, faire top 1, etc. Mais depuis qu'il y a le mode créatif, je dois vous avouer qu'on kiffe vraiment avec la team. Et on a ce délire qu'on avait à l'époque. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ce gros délire. Parce que quand tu découvres un jeu, tu délires vraiment bien. Et le mode créatif, c'est vraiment kiffant. Et on rigole bien avec la team, etc. Et je vois que vous kiffez, voilà, que ce soit le sniper, runner, etc. Les gens, bah voilà, forcément, ils reprennent un peu les concepts de GTA. Et ils le mettent sur Fortnite créatif. Et c'est ça qui est bien. Et franchement, c'est une bonne idée de Epic Games. Et c'est vraiment kiffant de pouvoir avoir ce mode. C'est ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer avec vous. D'ailleurs, si vous voulez jouer avec nous, je mettrai le lien du Discord dans la description pour pouvoir jouer avec nous. Je rappelle qu'il y a un Discord pour ceux qui sont pas au courant, sur lequel bah, vous êtes recruté, vous allez pouvoir jouer avec nous. Je sais pas si vous avez remarqué dans les vidéos que je fais avec les abonnés. Bon, je sais que je parle beaucoup, je parle vite aussi. Bah voilà, de temps en temps vous découvrez de nouveaux abonnés, etc. Bah si vous voulez participer à mes vidéos, parce que c'est vrai que de temps en temps, comme je vous ai dit, et comme je le rappelle, je fais des vidéos avec les abonnés. Parce que voilà, il y a des moments où voilà, on fait du RP, on fait 5-6 heures, on rush 5-6 heures de RP. On n'a pas forcément enchaîné sur d'autres vidéos, etc. On a juste envie de faire d'autres choses. Donc du coup, bah moi j'aime bien faire des vidéos avec des abonnés. Voilà, c'est le kiff. En tout cas, voilà. C'était juste pour vous prévenir, parler un peu de tout ça. Merci à tous ceux qui sont là présents. Parce que c'est vrai qu'il y a une bonne petite communauté. On a à peu près 1500, etc. Entre 1000 et 1500 personnes qui suivent le live de temps en temps. Je sais qu'on peut être plus, je sais qu'on peut être nombreux. Sachez que mon RP s'améliore de jour en jour. Là, en plus, voilà, je vous spoil pas, mais il y a des trucs avec du cartel, il y a des trucs la salle qui vont arriver. Il y a la drogue, il y a plein de trucs qui vont arriver. Vous allez vraiment kiffer. Et en plus, tout ça, c'est en live. Vous allez pouvoir interagir, me donner des idées, vous faire participer. Par exemple, je sais pas, dans les commentaires, la dernière fois, je vous ai demandé est-ce que je kidnappe la personne là, oui ou non, vous votiez oui ou vous votiez non. Des fois, je vous disais, ouais, est-ce que je mets ça ou je mets ça, vous me disiez non, oui, non, et ça qui est bien. En tout cas, voilà, j'espère que vous kiffez, je vais pas m'attarder là-dessus, je sais que je me suis beaucoup répété, mais voilà. Au moins, l'essentiel, comme on dit, c'est dans la claque, mais nous, l'essentiel, c'est dans Unwin, c'est dans mes mots. J'espère que vous avez kiffé, et je vous spoilerai, les gars, sur Snapchat. Unwin Snap et mon Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs, on est bientôt au 100K les gars. On peut faire les 100K avant la fin du mois, faut qu'on le fasse. Bientôt au 100K, on y va, on y va, on y va. Unwin TLS dans la description et vous avez mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là où je mets le plus de choses. Je suis vraiment, vraiment, pardon, très actif sur Instagram. Il y a des photos qui vont arriver, etc. aussi sur Instagram parce qu'elle commence à faire beau et tout. Et du coup, il y a des photos parce que c'est vrai que j'ai plus trop de photos. Donc voilà, suivez-moi sur les réseaux pour être au courant de tout, pour être au courant avant tout le monde, etc. C'est sur les réseaux sociaux qu'il faut me suivre. Et je rappelle encore une fois, après 30 fois, c'est en bas 20h comme je vous ai dit. Le Discord, vous avez en bas aussi 20h tous les jours. GTA RP avec Unmin, ça fait plaisir. On cesse là-dessus, la fibre optique, j'arrive bientôt. Voilà, ciao ciao.